Virginie, vous vous présentez Act of Love au départ du quintet de vendredi à Cabourg, acte qui a un peu de mal à retrouver son véritable niveau. Oui, non, je pense que des fois on a manqué un petit peu de malchance. Et le cheval paraît très bien et la dernière course est pas si mauvaise que ça. Ouais, il a reculé avec les relais, c'est dommage parce que quand il est à la pointe du combat, on sait qu'il est capable de finir très vite. Oui, exactement. On s'est retrouvés l'année dernière. Alors, à Amiens, on sait bien que si on est en fin de paquet dans le dernier tournant, c'est pas évident d'en faire. Mais la ligne droite était très bonne. De plus, il était ferré devant, donc je pense que déferré, ça l'améliore. Vous avez le sentiment de l'avoir proche de son meilleur niveau? Ouais, je pense qu'on n'est pas loin. Maintenant, il a quand même monté de catégorie. C'est un cheval qu'on avait acheté à réclamer, faut pas oublier. Donc, il a bien travaillé. Et puis, vendredi, c'est sûr qu'on aura sûrement des sacrés adversaires. Bon, il a prouvé son aptitude à Cabourg, c'est quand même un atout, c'est un cheval assez maniable. Vous le voyez comment au départ de ce quintet, possibilité de le voir à l'arrivée? Moi, je vais le déférer des quatre, ça c'est sûr, parce que je pense que c'est la meilleure. Et puis, s'il part bien et qu'il est en bonne position dans le paquet, bon, pour une 4-5e place, pas mieux. Hein. Je pense que mieux, ça va être compliqué quand même. Vous craignez surtout les étrangers avant coup? Voilà, en plus, et mieux, non, je pense qu'il est sûrement en dessous de ça, mais pour une 4-5e place avec un bon parcours, pourquoi pas.